savez que notre président, M. Consoma Selemani, a placé son mandat sous le signe de l'évolution, sous le signe du développement. Et parmi les actes prioritaires, c'est la formation. Donc c'est dans ce cadre que la Ligue nationale de football de jeunes, en synergie avec la direction technique nationale, ont organisé ce séminaire en faveur des encadrés à la base. À la base, c'est-à-dire des encadrés de jeunes. Vous savez que l'un des goulots d'étranglement de notre football, c'est le désintérêt qu'on avait à un moment donné manifesté vis-à-vis du football de jeunes. Et on ne peut pas avoir de grands champions demain si on ne se préoccupe pas de la formation à la base. Donc ce que j'ai retenu pendant ces trois journées, c'est le sérieux qui a été mis dans l'organisation de ce séminaire par la Ligue nationale de football de jeunes, ainsi que la qualité des enseignements dispensés par la direction technique nationale. Dans une certaine mesure, oui, puisque nous avons eu, outre la ville-province de Kinshasa, la Ligue provinciale de football de Kinshasa, nous avons eu la participation de quelques amis qui sont venus de l'intérieur. La prochaine étape, la direction technique nationale et la Ligue nationale de football de jeunes vont sillonner les autres provinces de sorte que la même formation, la même philosophie soit connue par tous et le même football soit pratiqué à la base par tous. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que dans le programme de la Ligue nationale de football de jeunes, en ce qui concerne le volet formation, il était prévu plusieurs séminaires de formation, surtout pour en ce qui concerne les encadreurs des jeunes. Mais nous venons de commencer avec la ville-province de Kinshasa. Vous avez remarqué qu'il y a eu un engouement, que prochainement nous allons penser à descendre au niveau des autres provinces, parce que vous avez observé la présence du président de l'entente provinciale de football des jeunes de l'Équateur. Il sera après ici, on sera au Katanga, au Grand Katanga, au Kasaï oriental, au nord, au sud, Kivu, un peu partout. Mais nous sommes satisfaits parce que vous avez vous-même vu que pendant trois jours, la directrice technique a mis à profit la présence de tous ces jeunes qui n'avaient aucune connaissance sur la gestion technique du football et qu'il a fait en sorte que ces jeunes qui encadrent le football au niveau de la base soient en mesure d'interpréter les enseignements qu'ils ont reçus. C'est un motif de satisfaction pour la Ligue nationale de football des jeunes. Ce séminaire, ça a été vraiment bénéfique pour moi parce que j'ai beaucoup appris par rapport à la planification, le projet et par rapport à l'entraîneur, la qualité d'un entraîneur, le rôle d'un entraîneur. Ça permet de savoir comment est-ce que je dois me comporter devant le joueur, les enfants, comment les encadrer, comment les orienter. Donc ça va vraiment m'aider durant cette saison. Et vraiment, je félicite la fédération par rapport à ces initiatives, et vraiment je dis merci au président de la fédération et merci à tous ses collaborateurs qui continuent toujours avec toutes les opérations, toutes leurs organisations. Ça nous permet vraiment de nous intégrer, de nous initier et d'apprendre encore plus par rapport au football.